Bonjour à tous, c'est Adrien pour Motoblues. J'ai reçu une petite surprise aujourd'hui. Alors, dans le petit carton, on peut trouver la notice avec un petit sticker. À l'eau de vis, assez pratique si les boîtes sont rongées par le temps. Et la précieuse, la petite batterie. Alors pour moi, c'est le modèle BTX9. Elle est compatible avec pas mal de bécanes. Elle résiste aux vibrations, aux projections d'eau. Donc c'est quand même pas mal pratique. Bon, du coup, pour la batterie, faut enlever votre selle. Après, deux petites vis. Juste avec une clé de 10 pour ma part, on déclipse le petit bloc, on l'enlève, on voit la batterie qui apparaît, qui a elle aussi deux petites vis, en 10, donc pour une fois c'est bien fait. Votre ancienne batterie, après avoir dévissé toutes ces vis, vient toute seule. Ensuite vous montez la nouvelle, et c'est tout aussi simple que le démontage. Vous remettez vos vis, vous les resserrez, vous reclipsez le cache, vous remettez les vis, votre selle, et vous pouvez démarrer. Et sincèrement, tout va bien, même par grand foin la moto démarre au quart de tour. Je vous la conseille vraiment, c'est vraiment un produit pas mal, compatible avec vraiment énormément de motos, et ce qui vous évitera quand même de tomber en panne cet hiver avec les grands froids qui sont prévus. Donc sincèrement, au top. Bonne route les gars!